Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito. Benito de Massanta. Massanta Benito. Benito de Massanta. Maintenant, les propriétaires de Massanta, là, venez récupérer le nom là, si vous voulez. Quand vous dites que Massanta vous appartient, que c'est pour vous là, venez chercher Massanta. N'importe quoi. Salam alaikum Fatou Bari, Chaloup, comment vas-tu? Oh non, famille, on l'est. Boakar, Lombonaba, comment vas-tu? Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez, partagez. Votre problème, c'est ça. Mon problème avec vous, c'est à ce niveau-là. Vous ne partagez pas. Cherchez les personnes qui supportent le CNR de la balancer dedans. Envoyez. Voilà. Et puis, mettez les cœurs. Abou Konate, comment vas-tu? Mon salut, on ouais, frère. Partagez, mettez les cœurs. Nous allons écouter le maire de Télémilé. Vous comprendrez que ce pays-là a besoin de médicaments. C'est-à-dire, je dis bien, le pays a besoin de médicaments. Moi, est-ce que là, jusque là, est-ce que j'ai parlé d'une ethnie? Non, non, non. J'ai dit le pays a besoin des médicaments. Omar Onoway, le pays a besoin des médicaments. Ma cousine chérie, Guilavogui, Mariam, comment vas-tu? Merci beaucoup, ça monte. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez. Je salue mon grand frère depuis le Libéria, Monrovia, mon grand frère Abou Keïta, Mandemansa. Et puis en même temps, c'est mon oncle. Voilà, il est mon oncle en même temps, mon grand frère. Donc partagez, mettez les cœurs. C'est quelqu'un qui travaille dans une ONG internationale qu'on appelle la FAO. Voilà. Il travaille à la FAO depuis plus de 15 ans. Le monsieur travaille à la FAO. Il est expérimenté. Respect à lui depuis Monrovia, mon grand frère Abou Keïta Mandemansa. Fodeba Kamara, comment vas-tu? Voilà. Donc, Foligny, ok. Partagez, mettez les cœurs. Vous savez, dans les 2 jours-là, je suis extrêmement pris. Voilà. C'est la saison sèche. Et puis, nos chefs là, nos patrons sont en vacances. Voilà. Donc, en plus de ça, hier, le Canada nous a intoxiqués. Nadia, il faut m'excuser. Voilà, tous ceux qui vivent au Canada là, excusez-nous. Hier, nous avons passé presque l'essentiel du temps sous abri, avec les masques dans les maisons. Ceux qui vivent vers le côte. Vers les côtes là, New York, New Jersey, voilà, un peu Philadelphie et puis Washington DC. Voilà, ça n'allait pas du tout bien hier. L'atmosphère, il y avait la fumée, vous savez, presque toute la forêt par là, du Canada a pris feu. Donc la fumée vient vers les côtes. Donc partagez, mettez les cœurs. Voilà, partagez. Voilà, mettez les cœurs. Depuis Adam So, d'Antilia, merci beaucoup. Oh, ne donc so brebre mousso nyuma, voilà. Frère Coria Poré, bravo, mousso. Donc, nous allons écouter le berbre de Télémilé. Je prends cet exemple encore une fois, une énième fois. Montrer aux Guinéens que Mamadi Doumbouya a gagné. Pourquoi j'ai dit Mamadi Doumbouya a gagné? C'est parce que voilà un club de personnes, des militaires, qui se sont dit qu'ils ont gagné d'abord en quoi faisant? En désarmant notre armée. Est-ce que... Ah, vous avez assez écouté, tu as vu ça, Caramon, tu as vu ça, non? Voilà. Donc, en désarmant notre armée. Ça, c'est un. Deuxièmement, la technicité d'une personne qu'on appelle Idi Amin a payé. Aujourd'hui, l'armée que nous avons là, les vraies personnes qui sont prêtes à en découdre avec cette histoire de narcotrafiquants et autres, ce sont les militaires guinéens que eux en personne n'ont pas pu prendre et mettre en prison ou bien éliminer, qui sont au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Gambie et au Mali. Ils ont tout fait avec les pays voisins là pour récupérer ces militaires-là.
Le Sénégal a donné une réponse négative par rapport à ça. Lorsque votre ministre de l'Intérieur était parti là-bas, il y a des Guinéens qui vivent ici, là, qui ont des problèmes avec le pays. Voilà, nous voudrons qu'ils rentrent afin qu'on discute. Non. Non. Merci beaucoup, Sona. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est les seuls militaires qui restent, c'est-à-dire les vrais militaires qui restent là, qui ne sont pas pour ce qui se passe dans ce pays, qui sont du côté de la souffrance du peuple là. C'est ceux qui sont dans les pays libres. Sinon, tous les autres là, tous ceux qui sont dans notre pays là, sont acquis à leur cause. Donc, un, Doumbouya a déjà gagné sur ce plan là. Le second plan, tous les membres de la société civile qui peuvent les fatiguer, les empêcher de dormir, sont déjà anéantis. Tous ceux qui sont membres des partis politiques, qui savent s'exprimer, qui connaissent la politique guinéenne, comme les Seloubaldé, les Fodéous et autres là, sont sous poursuite judiciaire. Donc, interdit de parler. Vamos Niki et Moussa Mariam, respect à toi. Merci. Vous comprenez? Ma cousine Mariam Diallo, salut Mariam, respect à toi. Donc, ça c'est deux. Aujourd'hui, ce sont les Fonikémangé, les résistants, ceux qui restent. Parce qu'il y a un groupe de la société civile qui sont achetés, qui sont au CNT. Regardez le CNT. Il n'y a que des demoiselles et des jeunes. IFD n'a pas choisi un membre du CNT. Malgré, ils ont dit à la CEDEAO que tous les partis sont rebrandés au CNT. Le RPD n'a pas choisi. Ils sont au CNT. En tout cas, ils sont au CNT là-bas. Ça, c'est trois. Quatrièmement, et qui est plus important, nos officiers supérieurs qui ont souffert dans ce pays, que eux-mêmes devaient être chefs de la junte ou prendre le pouvoir, parce que selon l'observation, ça n'allait pas en Alpha Condé la classe politique. Aujourd'hui, ceux-là ont reçu la pression de la France. Ils ont tous des passeports diplomatiques. Ils ont des voitures 4x4. Donc, ils ont un salaire. En tout cas, ce n'est pas un salaire, mais ils ont des primes. Ces officiers qui devaient se ranger à côté du peuple sont aujourd'hui dans le bain de miel. Donc, ne peut plus parler. Adama, comment vas-tu? Il ne peut plus parler. Donc, les quelques résistants qu'on appelle les Fonikémangé, les Ibrahima Diallo, les Kunduno, qui nous restent, et les Sako, sont aujourd'hui sous la pression de la justice, c'est-à-dire l'arme de Doumbouya à la justice. Dès que tu parles, on s'en va chercher un dossier contre toi. Voilà pourquoi je dis Doumbouya a gagné. Donc, ceux qui ne savent pas se retenir, ceux qui pensent que Doumbouya est éternel au pouvoir, ceux qui pensent que... Parce que selon certaines indiscrétions autour de Doumbouya, Moussa Dadis pouvait rester longtemps au pouvoir s'il avait accepté de respecter le pacte que la France lui avait proposé. Moussa Dadis allait rester longtemps comme le président Lansana Conté. Et pourtant, Lansana Conté, lui, il n'a pas signé un pacte avec la France. Lansana Conté a été choisi par ses amis. Il a été choisi par les officiers supérieurs. Parce que à cause de son calme, à cause de sa sagesse, à cause de son calme, il a été choisi. Et Lansana Conté nous a montré ça pendant 24 ans. Malgré que les gens l'ont manqué de respect, il est resté sage. J'ai continué. Donc, il nous reste que deux armes. Ce que nous avons. Plus les Fonikémangé, les Kunduno et Ibrahima qui restent pour aider la Guinée. Il reste le peuple là, le peuple de Guinée. Que nous nous battions en longueur de journée pour convaincre, de comprendre que le pays là est déjà vendu. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ceux qui se disent autour de Doumbouya là, après son voyage en Turquie, sort comme ça et puis nous allons diffuser ça. Selon les informations, Doumbouya est venu avec de très bonnes nouvelles. Selon des gens qui nous écrivent en inbox, ancien du RPG Arc-en-Ciel, actuel supporter du CNRD, Alma Eba, que le président Erdogan a dit à Doumbouya dans les oreilles,
que bientôt je vais envoyer les projets. Nous allons réactualiser tous les projets. C'est que les puissances étrangères n'acceptent plus de financer là. Je vais financer dans tout ce domaine-là. Bientôt, qu'au Barana, tout la Guinée, que tout va aller pour le mieux. Il y a un même, je me suis permis de le répondre parce que j'ai un peu de respect pour lui. Je l'ai juste demandé aujourd'hui si la Guinée est bien gérée. J'ai juste demandé la question de savoir, est-ce que la Guinée est bien gérée? Il dit, ah, Ita, il a tous les projets marchent. Ma maman chérie, Hawa Keita. Elle dit, Yves Yeye, comment vas-tu? Donc, tout va bien, mon projet, c'est là le baraque à Europe. Je l'ai juste demandé. Jusque là où je suis comme ça, mes abonnés sont témoins. J'ai mis quiconque à défi de me dire, de venir me montrer un document, un projet routier, signé en ce temps-là, dans ce moment de la junte là, qu'on me montre un document pour dire voilà, les projets ont été signés en ce temps-là. Que quelqu'un me montre, quel est tarot? C'est tout ce que j'ai dit, quel est tarot? Moi, je l'ai juste demandé, voilà, Diaby. Je l'ai juste demandé. J'ai dit, bon, si tu peux me montrer ça, je n'ai pas de problème avec toi. Je le jure, je me plie. Si tu me montres un contrat signé par une société américaine, allemande, même française, signé avec Doumbouya, montre-moi des contrats routiers. Montre-moi, parce que tu parles de route. Et pourtant, moi, Bento, je suis capable de te fournir. Moi, je suis capable de te fournir tous les documents, les contrats signés au temps de la gouvernance de Dr. Kassou, lorsqu'il était premier ministre. Tous les projets routiers. Je peux te donner des documents. Si tu veux, je te le donne. J'envoie en inbox. Tu regardes. Ce seront des contrats qui sont signés en 2018, d'autres 2019, d'autres ont été acquis en 2020, avant les élections. Dont les comptes, l'argent s'est trouvé à la Banque centrale. Et puis, subitement comme ça, le Vaurien est d'accord avec moi, le fait que j'ai dit que certains projets ont été amputés de 20% de leurs projets initiaux. Là, il a reconnu ça. Il a reconnu ça. Lui-même, il a donné un tronçon de route. Un tronçon dont le montant qui a été fixé pour réaliser le tronçon a été diminué de 20%. Lui-même, le Vaurien l'a reconnu ça. Lui-même, il a reconnu. J'ai dit, bon, Ibrahim, c'est pour te dire que le Poste Fakonde avait un problème avec ses ministres. Il l'a dit, il a affirmé partout. Il a confirmé la corruption, tout. Il ne s'est pas gêné. Il n'y a aucun président parfait. Mais là où, moi, je voudrais te demander de regarder où Alpha Condé a pris de la Guinée. Je l'ai toujours dit à certains dans les débats à WhatsApp. Où, dis-moi seulement où Alpha Condé a pris de la Guinée. Tu me dis à quel niveau Alpha Condé a pris de la Guinée. Je te dirai ce que nous avons réalisé. Mais tu ne peux pas me demander de citer tout ce qu'Alpha Condé a réalisé. Je te demande seulement de me dire à quel point, au point zéro, où Alpha Condé a pris de la Guinée. Tu me dis ça, je te dis ce que nous avons fait. Mais si tu ne peux pas me dire ce que nous avons fait, moi je ne peux pas te répondre. Darigalonoy, ça va? Nabintian, Aïdiana Moussouniman, c'est clair. Donc nous allons écouter le préfet et le maire de. Parce que c'est un danger pour notre pays. Je vais faire passer, excusez-moi, deux fois pour que vous écoutiez ce qu'il est en train de dire. Le monsieur l'a dit, il n'a pas peur de Dieu. La souffrance des Guinéens actuellement là. Il a oublié tout ça là. Ce que les Guinéens aujourd'hui endurent. Le monsieur là, le maire, parce qu'il dit qu'il est élu. Hein. Oui, c'est vrai, il est élu. Mais il a été élu sous la bannière de quel parti politique? Aucun journaliste n'a osé lui demander quel est le parti qu'il a présenté pour qu'il soit maire de Télémilé. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Il faut dire quel est le parti politique qui t'a présenté parce que tu dis que tu es élu, que tu parles au nom du peuple de Télémilé. Et pourtant, le peuple de Télémilé risque de casser ta gueule. Parce que eux là, moi je ne vois pas quelqu'un de Télémilé qui s'est dit aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien. Ça n'existe pas. Qui parle du courant. Heureusement, tu sais qui a envoyé le courant en Guinée. Si c'est Doumbouya là, on laisse ça à la Guinée. Donc nous allons écouter ce maire là. C'est regrettable, c'est un oncle. Donc c'est regrettable. Est-ce que... Attention. Où j'ai mis ça? Attention, permettez-moi de trouver ça. Oh là là. Oh, c'est ce qui me fatigue. Voilà. Ça est là. Merci. Nous allons l'écouter. Il est président de la République à vie. C'est tout terminé. Il est là au CDA pour être là-bas, moi, pour représenter l'Afrique. C'est ça la vérité. On est très fiers de vous. Nous vous restons reconnaissants et nous sommes à la. Je parle au nom de la population. Je suis un élu et bien élu.
la nation. Les activités civilo-militaires, ils le font à tout moment. Ils le font à tout moment. On n'a aucun problème avec les forces de sécurité de Télévénéza. Il faut qu'on continue. Ainsi, on est ici. Ah, monsieur le maire, écoutez-le. Il est président de la République à vie. Non, je suis dépassé. Non. Qu'il est présent à vie, que Télémile ira à la CEDEAO. Regardez, que Télémile ira à la CEDEAO. Télémile ira à la CEDEAO pour dire qu'il est présent à vie. Je ne sais pas si ce monsieur-là est dans le monde réel. C'est-à-dire, lui, je ne sais pas, il représente quoi. Je ne sais pas s'il connaît un peu l'administration. Toi, tu es maire d'une commune. Tu n'es pas le préfet. Ce n'est pas parce que tu es maire d'une commune que toi, tu peux aller à la CEDEAO pour. Non. Et la population de Télémile, Kawen, Wadedoui, quand il y a des mères, des femmes, etc. Nous sommes au moment de la technologie. Bepale, Fenal, Oulani, ça c'est terminé. Dites à ce maire-là, parce qu'on me dit que c'est un soulard. C'est lui qui m'a envoyé la vidéo-là. Il est de Télémile. Il est commerçant à Madina. Il dit Benito Genti, soulard Yungin. Il n'y a pas un soulard plus que lui. Écoute-le. Vous savez, nous allons réécouter deux fois et puis on va laisser comme ça. La vidéo ne sera pas longue. Allahu Akbar. Restez assis, hein. Restez assis. Il est président de la République à vie. C'est tout terminé. Il est au CEDEAO pour elle. La maman, vous représentez l'Afrique. C'est ça. On est très fiers de vous. Nous vous restons reconnaissants et nous sommes à la fin. Je parle au nom de la population. Je suis un élu et bien élu. Merci. Les activités civilo-militaires, ils le font à tout moment. Ils le font à tout moment. Eh, monsieur le maire. Pas de problème avec les forces de sécurité de Télévénéza. Eh, Allah. Merci. On wondri Allah. Donc, vous avez des enfants, monsieur le maire de Télémile. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants, monsieur le maire de Télémile. Vous avez des enfants. Vous dites qu'il n'y a pas de problème à Télémile. Eh, monsieur le maire. Moi, je connais beaucoup d'amis de Télémile qui ont étudié avec moi à Farana et puis à Dalaba. Celui qui m'a envoyé ça, monsieur le maire, il est de Télémile. Voilà, je ne vais pas montrer son numéro. Il est de Télémile. Hein. Monsieur le maire de Télémile, il me dit... Ce qu'il me dit, le maire là, c'est lui qui m'a prêté le mot là. S'il ne fait pas attention là, ben tape pas mon doux contre les milliers. S'il ne fait pas attention. Le seul Konaté, le vrai Konaté, je suis fier de toi. Voilà, Anna Kominikamba, numéro 1, depuis Gabon, Folibaye, je suis fier d'être Mandeng. Folibaye est Konaté. Merci. Le frère est de Télémile, il dit, ça voilà l'attention, mais tape pas mon doux contre les milliers. Il ne faut pas qu'il regarde les militaires parce qu'il est devant un commando. Ablaï Keïta qui a perdu toute dignité. Ablaï Keïta qui fait partie des personnes qui ont vendu ce pays-là. Aujourd'hui, il est devant Ablaï Keïta commando pour dire que Doumbouya sera un président à vie. C'est à cause de ça que j'ai voulu que vous écoutiez la partie, qu'il sera président à vie. Moi aussi, je vous dis, monsieur le maire, monsieur le maire de Télémile, vous dites que Télémile ira à la CEDEAO pour dire qu'il va être présent à vie. Monsieur le maire, je vous le répète encore une fois, nous sommes au 21e siècle, le monde de la technologie. Monsieur le maire, n'oubliez pas qu'il y a trois ZENT dans la sous-région, la ZENT malienne, Burkinabé et Guinée. Toutes ces trois ZENT-là vont rendre le pouvoir, tôt ou tard. Je suis en train de te le dire, monsieur le maire, Kao. Si je vous manque de respect, on y a photo. Mais là où je n'ai pas du tout compris, vous dites que vous avez été élu. Moi, je connais votre parti politique. Je sais qui vous a élu. Je sais qui t'a élu. Parce que je le dis, tu n'es pas en train de parler au nom de ton parti. Oui. Parce que tu as dit, donc, il y a où tu es.
Et puis, vous faites le contraire. Vous dites que vous parlez au nom de la population de Télémilé. Mais vous dites en même temps que vous êtes élu. Mais qui vous a élu? Moi, là, heureusement, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a envoyé la vidéo. C'est un ressortissant de Télémilé qui me suit depuis un an et demi. Il m'a dit, grand Benito, Gento Ndotum. C'est un vocal, il m'a dit, Gento, ce voilà l'attention, mais tape mon monde con. C'est comme ça qu'il a dit, mais tape mon monde con, Télémilé. Il s'est limité, il dit, mais attirons, ce voilà l'attention, mais tape mon monde con, Télémilé. Parce que ce qui se passe à Télémilé, ce que Télémilé souffre, Télémilé a aujourd'hui comme problème, lui peut dire que tout va bien entre les militaires et la population de Télémilé. Je suis de Télémilé. Vendredi passé, j'ai quitté Télémilé. Mais lui, il regarde le monde entier pour dire que tout va bien entre les militaires et la population. Non. Ce que les mototaxis là, souffrent dans les mains des policiers et des gendarmes, là, au Altafidou. Les mototaxis de Télémilé. J'ai dit bien, il faut demander aux mototaxis de Télémilé. Déjà, là, souffrent dans les mains de la police et de la gendarmerie. Ça, c'est un. Il faut demander à Tianon Nord à deux, trois personnes de Télémilé. Tellement qu'aujourd'hui, Télémilé, non, il parle du courant. Ça, au moins, si, parce que c'est lui-même qui parle du courant. Là-bas, là, s'il le dit devant la population, là, ce qui s'est passé à Zérekoré, c'est ce qu'ils vont dire. C'est Alpha Condé qui a bien installé le courant. Depuis quand, là, ça n'a pas le courant à Télémilé. Mais ça fait des va-et-vient, ou bien des fois, 3 mois, 4 mois. Mais le courant stable à Télémilé, c'est grâce à Alpha Condé. Nous, on reconnaît ça. La population de Télémilé reconnaît la stabilité du courant à Télémilé, c'est grâce au Pro Salfo. On en dit. Ce n'est pas un débat. Donc, monsieur le maire, Konkawango, mais moi, je vous respecte. Je vous respecte. Mais, c'est ce que j'ai dit à Ouyasanda une fois là. Ouyasanda, de regarder ses enfants. Morisanda. J'ai dit à Morisanda, de regarder ses enfants. Comment vas-tu, ma soeur? Regarder ses enfants. Dire à la communauté internationale que les Guinéens vivent très bien à l'étranger. Parce que c'est lui qui est chargé des Guinéens de l'étranger. Grand frère, bon, c'est comme Binyanima. C'est lui qui est chargé des Guinéens de l'étranger. Donc, comme il fait bien son travail, Doumbouya est bien, que lui regarde ses propres enfants, il leur dit que les Guinéens vivant à l'étranger se portent très bien. Ils ont leur passeport à jour, ça leur permet de renouveler leurs papiers dans les pays d'adoption. Que Ouyasanda regarde ses enfants pour leur dire que les étudiants sont bien payés à l'étranger. Qu'il regarde ses enfants, ses propres enfants pour dire qu'aujourd'hui les salaires sont payés à temps dans les ambassades. Qu'il regarde ses enfants pour dire que le fonds de roulement des ambassades arrive à temps. Et puis, Kumabana. Donc, Onon Kalikao, maire de Télémilé, je vous demande de regarder vos enfants. Pour dire à vos enfants que, n'est-ce pas, tout va bien à Télémilé. Si t'as donc marié parmi vos enfants, qui est un enfant bien éduqué, honnête, et qui a le droit de vous contredire. Oh, et Baba. Koni, watisi, koni. Bondri, Allah, Allah. Mais comme tu es devant quelqu'un qui est vendu, d'abord, lui, d'abord, c'est une personne vendue. Lui, il a perdu toute sa dignité. Lui, est comment de faire. Lui, comment de faire. C'est nous. Nous sommes en train d'empêcher leurs pensées. Monsieur le maire, si vous connaissez ce que Commando Frère pense, si donc Andy, ce que Doumbouya veut, si donc Andy, ce que Kouyaté veut, si donc Andy, ce que Idi Amin veut, vous allez vous rétracter depuis. Parce que le groupe là, je dis bien, le groupe là est en train de transformer notre pays à un pays d'une seule ethnie. Il veut que ce pays-là soit géré pendant 20, 30 ans par une seule ethnie qui est extrêmement dangereuse, monsieur le maire. Vous comprenez? Monsieur le maire. Voilà. Donc, Mihati, donc, les gens vont vous réécouter encore. Il est président de la République à vie. C'est tout terminé. Il est au CDAO pour être. Yo, au CDAO. On est à la CDAO. On est très fiers de vous. Nous vous restons reconnaissants et nous sommes à la de parler au nom de la population. Je suis un élu et bien élu.
Merci à vous. Merci. Les activités civilo-militaires, ils le font à tout moment. Ils le font à tout moment. On n'a aucun problème avec les forces de sécurité de Tenerife. Il faut qu'on continue. À ce qu'on est ici. Merci. Allahu Akbar. Allahu Akbar, monsieur le maire. Non, wallahi, ma belle, c'est déplorable. C'est déplorable, monsieur le maire. Et où on dit, alors, je suis sans mots. Monsieur le maire, en ce moment-là, je vous dis là, ceux qui ont compris l'esprit de Doumbouyala, je dis ceux qui ont compris l'esprit de Doumbouyala, Kané, merci Kané, ceux qui ont compris l'esprit de Doumbouyala se sont levés depuis. C'est nous. Et le forum des forces sociales, les Fonike Mang et les Ibrahim Diallo et autres là, qui sont en train de se battre. Parce que nous avons compris l'esprit du CNRD. Monsieur le maire, il y a mon tonton, mon papa, Mamadou Ba Badiko, qui disait avant-hier, devant le monde entier, que le CNRD a son propre agenda. Il le dit à qui veut l'entendre. Je pense que si vous voulez un débat, parce que vous dites que vous allez partir au CDAO, on dit à la CDAO, monsieur le maire, si vous voulez un débat, allez-y faire un débat avec. Parce que mon tonton, mon papa, Mamadou Ba Badiko dit, celui qui veut faire un débat, il n'a qu'à l'inviter. Il va expliquer par A plus B comment le CNRD veut garder le pouvoir. Monsieur le maire de Télémilé, lui l'a dit, j'ai toutes les preuves, j'ai des explications concrètes pour montrer devant les Guinéens que le CNRD va rester au pouvoir, le CNRD veut garder le pouvoir, le CNRD veut monopoliser. Vous comprenez? Donc, je vais me limiter là. En attendant, monsieur le maire, il y a Fonike Mang qui dit qu'on l'a proposé un poste ministériel. Le fait qu'il n'a pas accepté le poste ministériel, là, voilà, aujourd'hui, on l'envoie à la justice. Et ça, c'est vrai, je le confirme. Monsieur le maire de Télémilé, vous comprenez? Fonike Mang préfère la population. Moi, je l'ai tout le temps dit que je respecte Fonike Mang parce qu'il a, il s'est battu contre Alpha Condé. C'est ça aussi la politique. Si un président... un président de la République a toutes les forces sociales dans sa main. Un président n'a pas d'opposant. Un président n'a pas une voix contradictoire dans son pays-là. C'est que le président est un dictateur. Ou bien, en tout cas, rien n'indique que le pays-là va très bien. Dans un pays normal, un pays démocrate, un pays qui aspire à la démocratie, voilà les organismes qui doivent être là pour empêcher le président des dérives, pour empêcher le président de faire tout ce qu'il veut. Vous comprenez, monsieur le maire? Dans un état, je parle de la dé. Donc, c'est à cause de moi, je respecte le FLDC. La façon dont ils se sont battus contre nous, on s'est battus contre eux. Voilà comment nous avons fait la politique. C'est ce qu'on appelle l'adversité. Malgré que lui, il pouvait prendre des milliards, empocher puis se taire. Mais il a flagrant, il a dit devant le monde entier, il a dit qu'il n'accepte pas le poste ministériel. Parce que d'ailleurs, lui, il le sait. Tous les ministres de Doumbouyala souffrent plus que la population. Je dis bien, tous les ministres de Doumbouyala souffrent plus que la population. D'ailleurs, c'est que toi, tu ne connais pas monsieur le maire de Télémilé. Parmi les ministres de Doumbouyala, je dis bien, parmi les ministres de Doumbouya, il y a une catégorie qui est privilégiée par rapport à une autre catégorie. C'est une information pour vous, monsieur le maire. Mais Kao, je voudrais vous dire ça encore une fois. Vous avez vu Benito. Si vous voulez, parce que vous l'avez dit, hein, que c'est un président à vie. Et puis je ne dirai rien, mais c'est regrettable. J'ai juste dit, regardez vos enfants. Regardez vos enfants, dites-leur que tout va bien à Télémilé. Moi, je connais Télémilé. Je connais très bien Télémilé. Que tout va bien à Télémilé. Et je voudrais, si vous êtes sûr que ce que vous dites est une réalité, allez-y à Kindia, arrêtez, vous dites à Kindia que vous voulez Doumbouya comme un président à vie. Nous, on dit Allah. Monsieur le maire, si vous rentrez à Télémilé, c'est que Mignon, il n'a même dit de Hawa. Vous comprenez?
Si vous êtes sûr que vous pouvez regarder là, parce que même la population de Trémilé, les regarder pour les dire, la population de Trémilé, que, parce que vous dites que vous parlez au nom de la population de Trémilé. Mais essayons un peu, c'est un essai. Regardez, allez-y, organisez une rencontre, la jeunesse de Trémilé, d'Arébé. Regardez la population de Trémilé. Dites-leur que voilà, Doumbouya est président à vie. Mais aussi, c'est les pierres qui vont pleuvoir sur vous. On peut essayer. Il ne s'agit pas de s'asseoir parce que je ne vais pas vous insulter. Djoro, parce que Commando Faré est devant vous pour dire vous le voulez comme un président à vie, que vous allez partir. Selon vous, hein, qu'au CDAO, pour aller dire là-bas, vous installez pour dire non, c'est un président. Vous pensez que le monde évolue par rapport à votre goût? Hein? Est-ce que vous pensez que le monde évolue en fonction de ce que vous voulez? Monsieur le maire de Télébilé, c'est vous qui êtes aujourd'hui devant moi. Parce que je ne pensais pas qu'en ce moment-là, avec la souffrance de la population, qu'une personne comme vous le dites, que vous êtes élu, et moi je connais votre parti politique, et aujourd'hui le président de ce parti-là a le regret de porter son choix sur vous. Parce que si on porte le choix sur quelqu'un, pour parler au nom d'une population-là, ça sous-entend que la personne mérite le poste. La personne est vraiment crédible. Mais aujourd'hui, là, votre patron du parti, là, aujourd'hui, au fond de son cœur, là où il est assis, il regrette d'avoir choisi vous, monsieur le maire. Mais, pour terminer, il y a un monsieur qui avait dit devant tout le monde, devant Dadi Sekouba Konaté, et devant tous les Guinéens, à combien de scènes d'Inanabé, Moubara fallait un candidat. Moubara fallait un candidat. Dadis, candidat. D'ailleurs, il s'est trompé. Il dit général Dadis. Et pourtant, Dadis est un capitaine. Général Dadis. Seigneur Demiré. Oui, Dadis est candidat. Monsieur le maire de Télémé, vous connaissez la suite, non? Vous connaissez la suite. Aujourd'hui, selon Doumbouya est parti faire du cinéma en Turquie. Il n'a rencontré personne. D'ailleurs, l'objectif de son voyage, c'était de rencontrer le Posa Fakonde. Oui, il voulait bel et bien rencontrer le Posa Fakonde. Et ça, c'est sous la demande de la France. Et lui-même, il voulait, pensant qu'Alpha Condé est un homme qui n'est pas assis dans la tête. Il pensait qu'Alpha Condé est dos au mur. Le vieux l'a dit. Aujourd'hui, où est Dadis? Dadis est à la maison centrale. Sa famille déplore aujourd'hui sa situation à la maison centrale. Aujourd'hui même, Doumbouya ne veut même pas voir la Serona. Demandez, il ne veut même pas voir la Serona. Il a fini d'utiliser la Serona. C'est-à-dire, au birimo comme ça là. Il a fait comme ça, au Djibra Bambo. Il a tout récupéré le miel de la Serona. Et la Serona ne peut plus servir Doumbouya. Il ne peut rien donner à Doumbouya aujourd'hui. Blani, est-ce que quelqu'un entend parler de la Serona? Non, c'est terminé. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, il a fallu que tu sois un petit maire comme ça pour venir s'asseoir, dire que la population de Télémilé ira à la CEDEAO pour dire que Doumbouya va rester à vie. Je pense que vous faites souvent le tour de la Guinée. Monsieur le maire de Télémilé, je pense que vous faites le tour des différents marchés de Télémilé. Je pense que vous faites le tour. Vous voyez la route de Télémilé, Kindia. Qui a fait cette route? Qui a le courage à Télémilé? Vous savez très bien qui l'a fait. Monsieur le maire, vous restez reconnaissant à Doumbouya. Je ne sais pas ce que Doumbouya a fait à Télémilé. Que vous venez dire, non, nous restons reconnaissants. Après là-bas, là, prenez quelques millions là. J'avais donné 1 000 euros et fin condom. Vous comprenez? Nous là, on évolue. Ils ont insulté nos parents, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit sur nos parents. Nous sommes là tranquillement, nous allons continuer à combattre Doumbouya. Et pour terminer, j'apporte mon soutien total au FNDC, à Ibrahima Diallo, à Fonike Mangue et à mon oncle Saïkou Yaya. Soutien total. Et encore, je salue, je respecte, je salue la mémoire, je salue l'intelligence de Fonike Mangue. Et je remercie Fonike Mangue d'avoir refusé le poste ministériel. Heureusement, Fonike Mangue sait que les postes ministériels aujourd'hui n'ont rien, n'ont pas de budget de fonctionnement. Zéro! Voilà, aujourd'hui, voilà un qui souffre, qui pleure là-bas. Tous les jours, il pleure. Yassana, il ne dit pas à Doumbouya, il n'ose pas le dire.
parce que c'est son dernier poste en Guinée. Moi, je ne vois pas un gouvernement de Sidia, de Selou, de Kassori, les trois, si c'est lui, par lequel nous, nous allons choisir notre président. Venez là. Je ne sais pas qui va porter sa confiance à Ouyasanda. Je ne sais pas pour être quel ministre, peut-être ministre de la Santé. Mais moi, je préfère de Ousou Fofana à la Santé que Ouyasanda. Parce que non, au fait, ce n'est pas un diplomate, c'est un médecin. Et puis, quel médecin aussi? Voilà, il faut catégoriser les médecins. Voilà, il y a ceux qui connaissent leur travail, il y a ceux qui ont oublié, et ceux qui n'ont pas eu de niveau, et ceux qui ont, et ceux qui sont débrouillés à être médecins. Il y a ça aussi. Voilà, donc portez-vous très bien. Moi, je le dis haut et fort. Voilà. Et là, aujourd'hui, il y a le frère, comment il s'appelle, Ibrahima Kalilo Sangaré. Grand frère, vous m'avez posé une question, vous êtes là. Vous m'avez demandé d'étudier un peu, de regarder les images de Maurice Andamé. Vous avez oublié que cela a été expliqué dans l'une de mes vidéos. Voilà, au fait, même Barala, le fait que Doumbouya est allé en Turquie, et que d'abord, qui a négocié le voyage de Doumbouya? Qui a organisé le voyage de Doumbouya? Qui a géré son voyage? Allemand associé Sini. Et c'est vrai. Donc, on est banal. Et puis, arrivé là-bas aussi, Almiria très même au maquet. Déjà, le président Kagame avait voulu que le gouvernement turc intervienne afin qu'il rencontre Alpha Condé pour nous berner, nous. Mais quand j'ai appelé le professeur Alpha Condé, il a été très clair. Moi, j'ai mes partisans en prison. Moi, mes militants sont ségrégés, mes militants sont frappés, ils sont mis en prison. Moi, j'ai été humilié. En Guinée, il n'a pas osé me regarder. C'est maintenant où il va vers la fin de sa vie que moi, je vais accepter de rencontrer au profit de quoi? Qu'est-ce que moi, j'ai à gagner dedans? Qu'est-ce que moi, j'ai à gagner dedans? Je suis prêt que les autorités turques disent, si je ne le rencontre pas, ils vont m'expulser. Je préfère qu'on m'expulse au lieu de le rencontrer. C'est ça un homme aussi. Voilà Alpha Condé. Voilà l'homme Alpha Condé. Je préfère qu'on m'expulse. On m'envoie en Guinée que je souffre que d'accepter de le rencontrer. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Aujourd'hui, des chefs d'État de l'Afrique sont devenus complices aujourd'hui du petit. Sont devenus son complice. Mais ce qui est sûr, et ce qui est sûr et certain, aucune organisation internationale sérieuse, je dis bien, aucune institution financière sérieuse, je le dis, ne viendra financer ce pays. Ça, c'est clair. Parce que toutes les organisations financières ont des critères pour financer un pays. Ont un tableau qui regarde avant de financer un pays. Ça, c'est une loi universelle. Donc, si nous partions de ce regard des tableaux, des différents tableaux de la gestion de la Guinée aujourd'hui, je ne sais pas qui va prendre son courage pour venir investir en Guinée. Et puis d'ailleurs, je mets quiconque à défi, frère Sangaré, qu'on vous explique comment l'Indien est venu à Conakry. Il a fait la expliquer. Albany a fouillé, encore le fouillé là. Qu'on t'explique comment l'Indien a pu donner un avion et comment il est venu à Conakry et comment le marché a été fait. Ibanyaye, si tu entends, si on t'explique très bien comment ils ont, comment appeler ça, la façon dont ils ont négocié, wallahi billahi talahi, avec Al Doumbouya Soumaï Tamé, il a donc à Foucault la Guinée Frénée. Ibanyaye, il a donc la Guinée Frénée. Donc, en attendant, portez-vous très bien. Et encore une fois, Nda for Binda for Sini, j'apporte mon soutien total à Fonike Mangé, à Ibrahima Diallo et à Kaoussaï Kouyaya. Donc, Fonike Mangé, ton exemple, ce que tu as dit là, c'est un exemple pour beaucoup de personnes. À des situations difficiles comme ça, là, à des moments difficiles comme ça, là, il ne faut pas accepter les postes de préfet, de sous-préfet, de ministre. C'est des postes-là qui vont te salir et qui vont faire de sorte que tu te barres son Aïssa, Damana Okono. Donc, merci à tout le monde. Portez-vous très bien. Vraiment accepter de partager les vidéos. Merci Mbemba Kete, m'en demande ça. Partagez les vidéos, c'est votre souci, vous n'êtes pas. En attendant, monsieur le maire, je vais mettre une dernière fois votre parti. Les gens vont vous écouter. Parce que vous faites la honte de votre famille aujourd'hui. Pas moi, hein, la honte de votre famille.
il est président de la République à vie. C'est tout terminé. Il y a au CDAO pour être la maman pour représenter l'Afrique. C'est ça la vérité. On est très fiers de vous. Nous vous restons reconnaissants et nous sommes avec vous. Je parle au nom de la population. Je suis un élu et bien élu. Merci à vous. Merci. Les activités civilo-militaires, ils le font à tout moment. Ils le font à tout moment. On n'a aucun problème avec les forces de sécurité de l'administration. Il faut qu'on continue. Ainsi, on est fiers. Merci. Merci. Comme il y a un netti nena oulada, moi je ne veux pas. Ne laissez oulada. Mbulla nani oulada. Voilà. Et là nani netti. Voilà. Netti. Égal, il est toroni oulada soirée. Voilà. Voilà. Oulada pour la co. Voilà comment tu m'as. Voilà. Merci frère Swab. Mais laissez. Swab, frère Swab, quand tu laissez oulada insulter. Vous savez. Oulada a un problème, Oulada a un souci. Voilà. Vous avez vu comment elle a fait sa vidéo. Regardez comme elle était boutonnée jusqu'au cou ici. Vous avez vu ce qu'il portait. Moi, je vous demande, laissez Oulada insulter, ne le répondez pas. Oulada en personne connaît, sait très bien que sa vie n'a pas changé. Moi, je demande à Oulada de regarder sa vie au temps de Dr. Yanné, de regarder sa vie au temps de Traoré de Fer, de regarder sa vie au temps de Senkou, de regarder sa vie au temps de Malick Sankoh là. Il bénéficiait des avantages de tout le monde par rapport à aujourd'hui. Voilà, c'est quelqu'un qui est assis à Kanka, il n'a même pas à manger. Donc à la Mbarafé, ni a fait ni so balo là, ni a fait ni balo, ni di balo. Mbarafé, ni balo, ni la dembaya be balo. Ibrahim Signeté, j'ai fini de travailler depuis 11h. Depuis 10h15, j'ai fini et puis 11h m'a trouvé à la maison. Parce que je suis passé dire bonjour à ma mère avant de venir. Il n'amène Naudi. Je suis passé dire bonjour à ma mère et puis venir ici. Voilà. Et ma mère a. Je t'informe, mais je peux te montrer la sauce. Ma mère a mis. Tu connais ce qu'on est. Comment on appelle. Demandez à tous les cognantiers qui sont là. Balankoufi, la tombo. Corse tombo yé. Soso tombo yé. Mais Balankoufi, la tombo fanayé. Ma maman a fait ça tellement qu'elle pense à moi là. Elle a mis un peu pour moi. C'est ce que j'ai pris comme déjeuner. Ibrahim. Voilà. Il est né. Moi-même, celui qui est béni là, il est né. Voilà. Et quand je me suis dit, oulada, moi là, je suis fier de ma maman. Cette femme là, cette pauvre maman, s'est battue pour que tous ses enfants soient aux États-Unis. Pas dans un autre pays, mais aux États-Unis. C'est une fierté pour nous. Nous, on répète ça, c'est entre parenthèses. Et toi, et toi, avant que Hissène ne refroid là, et que la vidéo de Rocco, que blogueur, n'était blogueur, je ne suis pas blogueur. Je suis activiste du RPZ arc-en-ciel. Je suis activiste, lanceur d'alerte. Je suis alphaïste. Tu as compris. Ibrahim n'en a pas jusqu'à Ibrahim n'en a pas jusqu'à Ibrahim. Bravo, Béyana, même pas n'en ni la loi. Et bien, alors, Konyakade n'est pas dit. Et qu'avant, Fouladé n'est pas Konyakade, ou les mélanger n'est pas. Ou d'un n'y en a pas, regarde-moi très bien. Et je suis fier d'être les deux. M'brofou n'y en a. Voilà, tu m'as surnommé le Brésilien. C'est-à-dire le métis. Parce que les Brésiliens sont métis. Je suis fier d'être métis. Tu l'as dit parce que tu te dis que je ne suis pas un vrai mandingue. Voilà, tu l'as dit, c'est l'une de tes, dans l'une de tes vidéos, tu dis que je suis un mandé katadi, mandé brebrekadi. Oui, je ne suis pas un vrai mandé. Mais si nous donnons notre nom de famille, Al-Kalma Afolani de Toma, quoi, mandé mouri. Il est dit, toi, dit, moma, ne fola un toi, dit, moma. Ati, Kalma Afolani de Mako, mandé mouri. Parce que si c'est lundi, je suis si c'est. Eh bien, vous voyez, toi, dis, Moriba, shérif, si c'est. Ah, il m'a demandé, il est dit, ta faux, même photo, oui. Merci. Voilà mon parent. Lui, il est mon parent. Donc, il ne me suit pas parce que je ne parle, mais il sait ce que je dis. Que c'est une réalité. Moussa Mariama. Donc, Vlada, merci, Touré Alpha Touré. Mbalafou, il est net, qu'il est dit. Ebranye. Contrat, mais il est net, Mbalafou, il est net. Dumbia babo lomina ko ite politique la ko men ne fala mbra promesse taye mbra fe on ko mo si
moi aussi, tu es la compte réglée, ni la compte réglée. Je vais régler ton compte. Ne le cafouille pas. Face à face. Mais moi, je le brave, comme vous êtes en enseignement, quoi, tu parce que, comme qui braban. Parce que, au qui connaît, combat la combi sauce au camé. Combi sauce, merci ma chérie, tantité qu'on décide. Merci ma chérie. Parce que, au qui collé, à qui, à collé, artiste, à qui, à grand tenasso, et boulousama. À quoi, il m'a oulada ba sauce. Quand oulada a fait, à côté de toi, mais tu es, wallah, il a tué. Nkwa bon, konni, ala, il t'a assigné, il est assis là-bas. Il a fani bakana, tu vois son corps. Il va fadiller. Ni ka oulada fadiller, ni ka, il va soso kamé. Il va voko. Portez-vous très bien. Merci beaucoup, Diaby Diaby. Moba, mfa, ne la moba. Portez-vous très bien. Donc, ne britoye. Il va en a pas ce qu'il y a. Ne te voilà la page quand. Ne te voilà la page quand. Voilà mon frère, c'est Moussa Diawara. Au bec, en long, kankan. Braf, y'a un go kankan, mais ou dit. Ambe bra le kankandi. Ambe bra le kankandi. Ibrahim, vous regardez que quand quelqu'un tape sa poitrine, qu'il est propriétaire de Cancan, en de la bonne chronique Cancan, tu comprends, non? Il est bâti d'ici que là, on y a. Voilà. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Bravo, il y a. Qu'un de sous du béni, avant qu'il compare Nema, il y a un sous du folo. Voilà. Il y a un fou, il y a un monsieur, il faut qu'il y ait un roja, il y a un coquin. Voilà. C'est fini, je me limite là. Mon frère a tout dit. Voilà. Moussa, merci. Tu es comme la Sotel Guy, à Brabant. Voilà. Non, il souffre. Voilà. Miondri Allah Diallo. Dari, moussongi trop, mon tampi, mon yano. Voilà. Non. C'est que la moi, doit faire ni boire, car n'a ma kennete. Voilà. Amarasi, merci à tout le monde. Portez-vous très bien. M'bala fouyana. Ni ou yale. Boire faire ni boucan. Ne m'ole ka fonye. Koui baf, koui. Koui le, il voulait da, ya fadi. Il ba fadi, il dit ma koui da, il ka tu, parce que. Après ça, Colombien, Bébonne. Il a dit si Colombien, Bébonne. Tout est sorti. Mais Bébonne, Kenema. Il dit ça à Grasa Colombien, quand il a. Donc, il va tout Grasa Kakedi. Il faut ni qu'il y ait problème à l'éveil. Donc, il est net. Voilà la vidéo qui est une nénée. Il sait. Il n'y a pas de côté là. Voilà, il est dans la Pascal.